Je suis là pour faire le concours, c'est tout. Être le grand gagnant du concours. Je suis pas dans la compétition pure. J'espère que je vais gagner. Nous sommes des jurys, on est venus jurifier pour justement trouver l'excellence dans leurs recettes, dans leurs idées, dans leur créativité. Ça commence par ça. On est là pour construire, nous sommes des bâtisseurs, comme on dit nous, dans nos métiers. On a un rôle à jouer, c'est de transmettre et surtout donner un relais pour faire réussir les jeunes. Aujourd'hui, des jeunes en France ont besoin qu'on les écoute, on a besoin qu'on montre des exemples et qu'on leur fasse confiance, qu'ils soient handicapés ou pas. Un petit peu carotte, qu'on la lave, poireaux et les petits pois. Vas-y. Cela fait toutes ces tailles de légumes et après on attaque. D'accord. Rapidement, hein, tu sais, c'est en gros, hein, c'est juste pour la sauce. C'est combien de. Combien on met ? J'ai oublié. T'as oublié, tu veux faire chez qui ? C'est pas la peine de stresser, hein. Reste comme t'étais, c'est ça, non? Tu regardes l'heure aussi. Allez, le dernier morceau d'aiguillette, vas-y. Tu donnes un petit coup, Pénard. Tape bien. Allez, lunaire. Il lui reste combien de temps? Ah, il est bien, là, on a encore une heure là avant d'envoyer, donc... Ouais, mais faudra pas trop traîner quand même. Continue. Tu mets tes blancs de volaille dedans, là-dedans. Et on va regarder combien de temps on les cuit. On est d'accord? Ok. Allez, sous. Voilà. Ah bah oui, les autres, ils s'allumaient. Il marche pas celui-là. On a un problème de feu. Tourne bien sur les bords. Faut que tout soit de la même. Tout blanc. Voilà, continue. T'as juste à couper une petite tranche et mincer un tout petit peu, d'accord? Après, on va préparer les courgettes. Tu les plonges dans l'eau froide, tu mets ton deuxième papier dessus. Allez. Hop. Prends une cuillère, chef. Allez, Stan, allez, Stan. Vas-y, c'est bien, Stan. Allez, attention tes assiettes. On est bien. Il va falloir après maintenant, là-dedans, tu mixes très finement. Très, très finement. Tu lèves et que tu écrases un petit peu tes coffres là. Et on va mettre de nouveau notre sauce en réduction pour qu'elle épaississe un petit peu. D'accord? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, c'est parti messieurs, ça sort, le candidat numéro 1. Tu sais qu'on cherche le bête de terre. C'est bien parce que c'est pas sec. Ça, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on a apporté à ces jeunes peut-être de l'espérance, peut-être de la joie, on l'a vu dans les yeux en tout cas. Et de la lumière aussi, en disant, ma vie, elle ne sera peut-être pas complètement, comme on m'a dit, ou j'ai entendu, ou dans des émissions de télévision ou autre, fermée. Oui, j'ai de ma place dans un restaurant, peut-être étoilé. Oui, j'ai ma place peut-être dans une belle pâtisserie. Oui, peut-être que je vais ouvrir même mon bistrot. C'est possible, parce qu'aujourd'hui, pourquoi pas? Regarde, c'est dur de savoir sur leur visage ce qu'ils pensent, parce qu'il n'y a pas d'expression. Nous, dans nos métiers, tout le monde arrache un sens. Parce que tout le monde a un cœur. Et c'est à nous de s'adapter, c'est à nous de transmettre, et c'est à nous de trouver les clés pour lui donner les armes, je dirais, pour à la fois avoir un métier et surtout donner le sourire aux autres autour de soi. C'est ça le plus important. Donc, délibération à huis clos, messieurs. Sans candidat, pas de concours.